Bonjour Yarana, merci de nous rejoindre pour ce direct Facebook Live, donc en direct des studios de la DG2E. Nous allons enchaîner, vous avez peut-être suivi la première table ronde consacrée aux dangers des ondes et les risques des écrans. Avec de nouveaux participants, de nouveaux interlocuteurs, nous allons pouvoir cette fois-ci aborder la question dans le cadre de ces assises du numérique éducatif des droits et des devoirs en matière d'usage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat. Ce sont des réseaux dont vous entendez parler, ce sont des nouveaux modes de communication qui maintenant se propagent dans le monde. Ils suscitent de l'enthousiasme, ils suscitent également des inquiétudes, donc nous sommes là pour en débattre. Et surtout, sentez-vous libre d'envoyer vos questions, que ce soit en français ou en Réumahui, car elles seront traitées à certains moments. Et mon collègue Ernest Marchal, ici présent, fera des synthèses en tahitien régulières à deux reprises. Nous aurons, lors de cette table ronde, deux tours de parole et à chaque fois une synthèse en tahitien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Gaëtan Lelu, inspecteur de lettres. Je suis exactement dans le même rôle d'animation que mon collègue Jean-Louis Laflaquière lors de la première table ronde. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter, pour traiter de ce sujet lié aux réseaux sociaux, nos participants, nos interlocuteurs, et dans l'ordre, pour commencer, donc à ma gauche, Monsieur Pierre Lionard. Pierre Lionard, vous êtes président de l'Association des parents d'élèves du lycée Gauguin. Vous avez participé récemment et contribué largement sur le plan numérique, au développement de ce qui est anticipé pour ce lycée, qui est assez précurseur dans le domaine. Nous aurons également, pour traiter de ce sujet, l'adjudant-chef Cyril Lerillon. Vous êtes commandant de brigade et vous êtes donc à la direction de la maison de confiance et de protection des familles de Polynésie française. Voilà. Confiance, protection, vous avez compris qu'à travers ces deux concepts, nous avons quelque chose de très important à traiter ici en termes de vigilance. À ma droite, donc, Karl Tefahatou, qui est directeur général de l'économie numérique en Polynésie française. Karl Tefahatou nous a présenté une brillante conférence lors de la première journée de ces assises du numérique, qui a été très suivie et très commentée. Nous aurons besoin de son expertise et sa visibilité sur l'ensemble des usages du numérique et aussi des réseaux sociaux en particulier, parce qu'il a analysé la question de manière assez fine et ce sera très précieux. Nous avons parmi nous, ce plateau ne serait pas complet, il ne serait pas moderne, peut-être autant qu'on pourrait le souhaiter, s'il n'y avait pas avec nous ce que l'on appelle dans le monde des internautes et des réseaux sociaux un influenceur. Un influenceur qui est Teddy Tang, que vous connaissez peut-être déjà, qui vous salue. Teddy est un champion sportif, donc taekwondo, champion du monde, si je ne m'abuse. Il est également ingénieur, peut-être un peu trop, ingénieur. Il a énormément de cordes à son arc et il est très suivi sur les réseaux sociaux. Il nous expliquera un petit peu ce en quoi consiste son activité et en quoi elle peut être aussi positive pour notre jeunesse. À ma droite, mon collègue Ernest Marchal, inspecteur de l'éducation nationale du premier degré. Donc, il est à la tête de la circonscription numéro 8, Punaouia, Moorea, Meo. Et il est également en charge du dossier très important des langues polynésiennes dans le premier degré. Et à ce titre, fait énormément de missions dans les archipels pour que se développent les langues polynésiennes dès l'école primaire et bien sûr, au-delà. Donc, grâce à Ernest, nous pourrons avoir des points en tahitien, des points de synthèse. Il sera à la fois le représentant de l'éducation nationale, pas seulement pour le premier degré, hein, également pour le second degré. Donc, cette tâche qui nous incombe et qui nous concerne au premier chef, puisque, bien sûr, le devenir de nos enfants, leur usage des réseaux sociaux, les points de vigilance qu'il nous importe de dégager, et également, bien sûr, tout ce que ça peut avoir de positif à l'école et dans la société, puisque Teddy en sera une illustration. Pour commencer ce premier tour de parole,
Je vais commencer donc en donnant la parole à M. Karl Tefahatou. M. Tefahatou, vous êtes directeur donc, général de l'économie numérique. Quel constat pouvez-vous faire en termes, à l'échelle de la Polynésie française, mais peut-être en le recitant, si vous le souhaitez, dans l'économie mondiale du numérique, sur les usages des réseaux sociaux et notamment, peut-être, par rapport au reste du numérique. Alors, un petit point sur quelques rappels de chiffres. J'ai l'impression de ressembler à Maître Capelot en vous disant ça, mais 92% des personnes qui sont équipées en Polynésie française sont des internautes. C'est un élément qui est capital. Vous le voyez donc en illustration, la prédominance en termes d'utilisation des réseaux sociaux, puisque en Polynésie française, nous allons avoir 74% de comptes Facebook. Donc sur la totalité des internautes, 74% utilisent Facebook et 74% également utilisent YouTube. Vous voyez une forte prédominance de ces deux réseaux, avec en l'occurrence pour YouTube, on est moins dans l'interaction, on est plus vraiment sur du visionnage. Également, vous voyez en troisième ou en deuxième position le réseau Instagram qui arrive avec 50%, me semble-t-il, si je n'arrive plus à voir les chiffres qui vous sont exposés, mais 24%, pardon, 51%. Je vais y arriver. Donc, pareil, on a des chiffres qui sont assez importants. C'est un réseau social qui a tendance à exploser, qui a explosé il y a 5-6 ans, qui est toujours qui n'est pas en perte de vitesse, qui est toujours en constante croissance. Par contre, il tend à être remplacé graduellement par le réseau TikTok, qui existe depuis 4 ans, mais dont l'utilisation est particulièrement en forte accélération en Polynésie française depuis 2 ans. Là, je pense que notre influenceur pourra nous expliquer peut-être pourquoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, ont une part importante en fait de l'utilisation qu'on fait sur Internet. Alors, les chiffres ne vous sont peut-être pas présentés là, mais de manière générale, ça va concerner une tranche de population relativement jeune, à l'exception de Facebook, où on l'expliquait avant-hier, c'est devenu le réseau social des vieux. Voilà. Pourquoi ? Parce que le réseau a commencé à s'accélérer, à avoir une vraie dimension en termes de consultation et d'exploitation en Polynésie française à partir de 2011. Il a été lancé bien avant, mais en 2011, il est arrivé à grand renfort en Polynésie française. Beaucoup de services, d'entreprises ont commencé à l'utiliser. Et voilà, donc c'est le réseau des vieux. Maintenant, celui qui prédomine, c'est véritablement TikTok, chez les jeunes en tout cas. Quoi dire de plus ? Ah oui, peut-être sur les comportements. C'est important, les comportements. Qu'est-ce qu'on fait le plus sur les réseaux sociaux ? Eh bien, aujourd'hui, de manière la plus importante, on va, à hauteur de 70%, liker et dire que l'on aime un contenu. Point barre. On ne va pas beaucoup plus loin. À hauteur de 51%, on va contribuer à alimenter ces réseaux sociaux. Donc on va être un véritable acteur. Et puis, également, en troisième position, qu'est-ce qu'on fait ? À hauteur de 24%, on ne fait rien du tout, ce qui nous laisse finalement penser qu'on est dans une société d'utilisateurs de réseaux sociaux qui mate, mais qui n'agit pas beaucoup malgré tout. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les usages globaux, à la fois chez nos jeunes et en Polynésie française. Merci Karl. On voit que les choses bougent très vite dans le monde et en Polynésie française, les usages mouvants. On peut difficilement d'ailleurs prévoir ce que ce sera peut-être dans 5 ou 10 ans, parce qu'évidemment, tout est dans les mains des internautes, dont tu as souligné hein, les différents usages qui parfois en fait sont assez passifs. Alors, sur les réseaux sociaux, on a souvent du texte, parfois court, parfois plus long. On a des images fixes, on a aussi des films. Et tout ça, on sait bien, hein, les uns et les autres, que ça a des répercussions à la fois émotionnelles, hein, qui peuvent être à la fois positives, qui peuvent être négatives. Et par conséquent, il faut qu'il y ait peut-être quelques garde-fous. Alors, je vais donner la parole à l'adjudant-chef Lorillon pour peut-être nous expliquer quel est le rôle de la MCPF, parce qu'on sent bien qu'avec tous ces contenus qui nous échappent, en quelque sorte, la plupart du temps, ça peut susciter une angoisse ou une inquiétude, en tout cas, à minima, chez les parents, qui pourtant sont aussi souvent utilisateurs.
Alors, je voudrais faire un petit point sur la MCPF, puisque c'est une toute nouvelle unité. La maison de confiance et de protection des familles a été créée au 1er janvier. Elle remplace une autre unité de gendarmerie qui ne faisait quasiment que de la prévention. C'était la brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui avait été mise en place en Polynésie française en 1998. En fait, un des trois rôles principaux de la MCPF, c'est de faire de la prévention au profit des élèves, notamment du primaire et du secondaire. Donc à ce titre, on intervient chaque année. Moi, j'ai mis en place un programme depuis 2017 où on intervient dans la totalité des établissements scolaires primaires et collèges de Tahiti, hors la zone police, puisqu'on c'est la zone police, hein, c'est pas la zone gendarmerie. Et on intervient également dans les établissements primaires et secondaires de Moréa et des archipels. En fait, dans ce cadre, on intervient sur toutes les classes du CM1 à la 3e, toujours chaque année, sur plusieurs, sur deux thèmes principaux, la violence d'un côté et de l'autre côté, tout ce qui est substances psychoactives, tabac, alcool, PACA. Voilà. Pour l'établissement scolaire. En établissement en école, scolaire, également. Voilà. Ça, c'est principalement en établissement scolaire. Après, on peut intervenir au profit des associations, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que notre contenu principal, c'est les établissements scolaires. Et on intervient donc à différentes étapes de la vie des élèves. Concrètement, en ce qui concerne Internet et les réseaux sociaux, on intervient à deux niveaux. Donc, dans le cycle 3, on intervient auprès des CM2 et auprès des 6e. Les CM2, en fait, on ne fait pas grand-chose, mais si quand même, on a mis en place depuis 2017 ce qu'on appelle le permis Internet. En fait, le permis Internet, c'est un programme national de prévention qui a pour objectif de faire apprendre aux élèves le bon usage d'Internet. Alors pourquoi je dis qu'on ne fait pas grand-chose, c'est qu'en fait, on fait la première intervention, la mise en place. On va venir par la suite, quelques semaines plus tard, sur l'évaluation des connaissances, éventuellement sur la remise du permis. Mais entre deux, c'est les enseignants qui, à l'aide d'une mallette pédagogique, c'est les enseignants qui vont faire travailler les élèves sur le permis Internet. Voilà, vous passez le relais aussi. Voilà, l'idée, c'est que nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en place. Et après, les enseignants ont tout ce qu'il faut, des contenus pédagogiques, ils ont des DVD. Voilà, c'est vraiment bien normé. Ils ont les fiches d'évaluation, les affiches. Enfin, voilà. Et ça suppose que vous soyez toujours, évidemment, très à la pointe, puisque les choses vont très vite, comme nous l'avons vu. Bien sûr, c'est des mallettes pédagogiques qui viennent de Métropole, qui ont été mises à jour cette année. Et donc, voilà, on est avec eux, mais c'est vrai que le gros du travail, c'est les enseignants. Une fois qu'on a travaillé avec ces CM2, en fait, on va retravailler avec les anciens CM2, donc avec les 6e. Et là, on va intervenir sur les différentes formes de violence qu'on aura déjà vues avant. Mais on va intervenir surtout sur le harcèlement. Donc, le harcèlement, c'est les violences qui sont répétées. Et sur le cyberharcèlement, c'est les violences qui sont répétées par l'utilisation des réseaux sociaux. On en entend beaucoup parler. Vous savez que beaucoup sont inquiets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Écoutez, ce qui ressort chez nous, c'est que, en fin de compte, dans les brigades qui peuvent recevoir les plaintes, il y a très peu de plaintes qui sont déposées. C'est souvent traité en interne, soit en interne au niveau de l'établissement scolaire, soit en interne au niveau des familles. Dans tous les cas, en termes d'infractions, ce qu'on appelle des infractions, des actes qui sont interdits par la loi, ce qu'on reçoit dans les unités territoriales, c'est du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ça va prendre la forme de commentaires qui vont être indélicats, ça va prendre la forme d'insultes suite à la diffusion de photos ou de vidéos que les gens n'aiment pas, et ils se permettent de le dire d'une manière générale. Mais ça peut être aussi la diffusion, la mise en ligne de certains contenus de type violence physique, comme on a pu voir, enfin on voit depuis quelques années sur Papété le mercredi après-midi. Voilà, ça participe au cyberharcèlement. Et c'est ce type de plaintes qui peuvent être déposées par les parents et qu'on voit. On en entend souvent parler, effectivement. Donc c'est un sujet qu'il faut regarder en face et trouver des parades et trouver de quoi effectivement circonvenir toutes ces difficultés. Alors, Ernest, on parlait de l'école, hein, l'école avec un grand E. Est-ce que les réseaux sociaux sont présents à l'école? Et si oui, de quelle manière et avec quel type d'usage?
Oui, bien évidemment, les réseaux sociaux sont présents à l'école. Je pense qu'il faut dissocier deux niveaux, le premier et le second degré, tout simplement. Dans le premier degré, bon, l'usage des réseaux sociaux est encore modeste, puisque peu de jeunes sont de la tranche d'âge du premier degré ne possèdent de smartphone, déjà pour commencer, ou de moyens de se connecter à l'Internet. Je parle bien de l'école, hein, il faut distancier plusieurs choses. Voilà. C'est une utilisation qui est faite notamment et qui a débuté avec, on a pu le constater, le confinement. Les enseignants, pour pouvoir opérer cette continuité pédagogique, ont commencé à échanger, ont trouvé des moyens pour échanger avec les parents, au niveau parents, donc adultes, par le biais de comptes Facebook, de groupes Facebook fermés. C'est comme ça qu'ils ont pu discuter, échanger avec les parents, mais aussi pouvoir toucher les élèves. Et à noter que ceci a rapproché les enseignants des parents. Voilà. Puis ensuite, à l'école en elle-même, le portable étant interdit dans le premier degré, donc les élèves n'ont pas accès aux réseaux sociaux sur les ordinateurs ou les tablettes numériques qui sont présentes dans les écoles, les choses sont bien cernées, on va dire, de ce côté-là. Il n'en demeure pas moins que l'on sait que dans les foyers, très tôt, les jeunes fréquentent les réseaux sociaux. Ça, on le sait. De nombreux jeunes, du moins, fréquentent les réseaux sociaux et surfent sur l'Internet. Dans le second degré, les choses sont tout autres. Là, de nombreux jeunes, on a pu le voir dans les chiffres annoncés par M. Tefatao, possèdent un moyen de se connecter, notamment un smartphone. Et là, ils peuvent effectivement se connecter. Alors, on a vu une utilisation intéressante et pertinente dans certains établissements de professeurs qui mettaient à disposition les cours, pouvaient échanger par le biais des réseaux sociaux avec les élèves. Je trouve ça, c'est très intéressant. Et ainsi, les élèves entre eux pouvaient passer les cours ou avoir accès également à leur évaluation. Voilà. Mais ceci a donné lieu à des dérives, bien évidemment, qu'on peut s'en douter. Et dans certains établissements, donc, ils se sont vus fermer l'accès aux réseaux sociaux, mais au sein des établissements, fermés, et au profit de l'usage de NT, qui sont beaucoup plus cadrés et encadrés. Dans le second degré, on observe effectivement, dans la cour des établissements, une utilisation importante des jeunes et qui sont sur les réseaux sociaux. Là encore, on a pu avoir des chiffres donnés par la DGEN qui sont très, très évocateurs. Voilà ce que l'on peut dire. Une utilisation après pertinente ou pas, ça c'est autre chose, c'est un autre point. Mais voilà ce que l'on peut dire. Ne fait plus rempart par principe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement les utiliser, s'y appuyer à condition d'un cadre sécurisé, si je comprends voilà. bien. Voilà, je veux dire, dans nos comment dire, les enseignants sont formés à cela, à l'utilisation. Monsieur Laurier en parlait du permis Internet, mais également les enseignants sont formés, C2I2E, les programmes nous donnent des indications claires. Le socle commun de connaissances de compétences, notamment au niveau de la formation de la personne et du citoyen, nous invite fortement à développer une attitude responsable dans tous les domaines, et notamment dans ce domaine qui est l'Internet de manière générale, et donc les réseaux sociaux. Puis nous avons maintenant également, depuis peu, de manière plus précise, des compétences à développer en matière d'usage du numérique et des indications claires en matière de la sécurité des personnes, et donc des élèves, bien évidemment. Finalement, comme c'était dit dans la précédente table ronde, ne soyons pas effrayés, mais soyons lucides, regardons les choses en face, bornons-les, sécurisons-les, formons le plus tôt possible. Il y a beaucoup de... il y a des points positifs, mais voilà, il faut à côté de cela bien borner, cadrer, encadrer nos jeunes. Et surtout développer cette conscience qu'ils ont, c'est la formation du citoyen dont il s'agit là. Merci Ernest. Et donc, pour développer un peu le regard de la jeunesse et puis un petit peu nous éclairer sur ces usages, Teddy, merci Teddy d'être venu. Teddy, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en tout cas
pour les personnes comme moi qui ne savent pas exactement ce que cela recouvre, ce que c'est qu'un influenceur, ce qu'il fait, etc., sur les réseaux sociaux. Okay. Vous utilisez le terme influenceur, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser. D'accord. Parce que je me vois pas. Enfin, pour moi, influenceur, c'est vraiment forcer les gens à suivre ce que je pense ou ce que je veux faire, etc. Mais moi, j'ai commencé les réseaux sociaux parce que, tout d'abord, au travers le sport, le taekwondo. Mm-hmm. Et après, ça s'est développé au travers de ma famille, de mes grands-parents, dans mon farapou. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment partager ma vie quotidienne avec les personnes qui me suivent, avec mes abonnés et tout, et créer cette relation-là de confiance. Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir transmettre des valeurs. C'est pas forcément, lorsqu'on dit influenceur, c'est plutôt pour des produits. Ah, je vais vous vendre ce stylo, acheter ce stylo-là parce que je l'utilise et tout. Certes, ça fait partie de quelques aspects de mon job, entre guillemets, mais c'est avant tout les valeurs de la famille. Par exemple, sur TikTok, j'ai fait intervenir mes grands-parents. Et comme Karl le disait, pourquoi TikTok ? Parce que je pense que c'est un réseau social qui est jeune. Et en fait, TikTok, c'est là où on fait des dents, c'est ça ? Et ça dure très peu de temps. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça permet d'occuper notre jeunesse polynésienne à faire des danses, par exemple, à la place d'aller s'ennuyer en ville et faire des bagarres et tout. Je trouve que ça peut être aussi une alternative pour eux de s'occuper l'esprit parce que nos jeunes, ils s'ennuient. Ils ont besoin de reconnaissance aussi. Et à travers les réseaux sociaux, ils peuvent s'identifier aussi à certaines personnes qu'ils aiment bien. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, de transmettre que des bonnes valeurs, que des énergies positives, faire sourire aussi dans un monde où tout va vite, où dans notre période aujourd'hui, ça permet justement de donner un peu de sourire aux jeunes et aux moins jeunes. Donc c'est ça l'important. Et ton activité, elle est quotidienne ? Parce que tu filmes tous les jours, tu publies tous les jours, ça demande du travail un petit peu tout cela ? Ça demande beaucoup d'organisation, c'est vrai. Mais après, je le fais, je calcule rien du tout, c'est-à-dire que je ne dis pas je vais poster ça parce que j'ai envie de toucher certaines personnes ou quoi que ce soit. J'essaie vraiment d'être naturel, je joue pas. Ça ne sert à rien de jouer un personnage parce qu'en fait, ça se voit dans la vraie vie. Et en plus, on est à Tahiti, donc c'est tout petit, on se voit facilement. Donc, c'est quelque chose que, oui, je poste quotidiennement. La vente de mes fruits avec mes grands-parents, avec ma sœur. Lorsque les entraînements de taekwondo, quand je fais des entraînements, c'est juste génial de pouvoir montrer justement à cette jeunesse-là qu'il y a une autre façon de s'en sortir. Je dis souvent que c'est les parents qui ont un rôle important, mais des fois un enfant, lorsqu'il ne trouve pas de solution dans sa famille, lorsqu'il ne trouve pas de solution à l'école, il peut retrouver dans le sport ou en faisant des danses dans leur passion. Oui, on voit que tu intègres ta famille. C'est pas seulement toi, c'est pas seulement quelque chose comme ça de tourner autour de ta propre personne, mais que tu intègres dans un contexte avec ta famille. Ça nous donne un aspect très réjouissant et très encourageant. Là, Je trouve que la famille, c'est vachement important. Et surtout à Tahiti, quand même. C'est un de nos fondements, la famille. Et c'est une valeur que je veux vraiment transmettre à notre jeunesse parce que je vois qu'il y a le lien qui est trop vite coupé avec la famille. C'est vrai que le contexte d'aujourd'hui va dans ce sens-là, mais il faut respecter nos parents, les personnes âgées, se respecter soi-même et respecter les autres. Oui, ce qui semble se dégager de toi, c'est cette communion entre l'aspect traditionnel, respectueux du contexte de la famille et en même temps la modernité, l'attention vers l'avenir, tout ça. Merci beaucoup, Teddy. Tu développeras peut-être tout à l'heure un petit peu plus précisément cette question des valeurs que tu souhaites porter auprès des jeunes. Et merci. Donc je vais maintenant m'adresser à notre représentant des parents, Monsieur Léonard. Alors là, on voit avec Teddy un aspect riant des réseaux sociaux, très enthousiaste, positif. Est-ce que les parents ont, eux, des inquiétudes et de quelle nature autour de ces réseaux sociaux, notamment au lycée, puisque vous êtes parent d'élèves du lycée Gauguin? Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas aller contre. Comme disait Karl à la table ronde précédente, c'est vous donner un couteau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un petit peu ça. Vous avez d'un côté Teddy qui fait des choses formidables et puis de l'autre côté des gens qui font des choses beaucoup moins formidables. L'inquiétude des parents, c'est qu'est-ce que va en faire les enfants? Qu'est-ce que vont faire les enfants de tout ça? Maintenant, ça c'est pour le réseau social. Pour appliquer
appliqué au niveau du lycée. Le lycée Gauguin est entièrement numérisé. On a un ENT, pardon, on a un ENT. Il y a également un système de sécurisation de l'ensemble. Et les élèves, il y a deux parties dans les élèves pour les réseaux sociaux. Il y a ceux qui ont leur tablette propre, et là, on n'a pas le droit d'interdire quoi que ce soit. D'accord. Et il y a ceux qui ont les tablettes qui sont louées. Et là, on peut mettre les applications qu'on veut. C'est-à-dire, on évite tout ce qui est réseau social en classe, etc. Alors, les enfants, eux, ils vont essayer de contourner tout ça. À nous de savoir comment faire pour véritablement, par la suite, et dans les futurs équipements au sein des établissements, qu'est-ce que va faire le décideur ? Qu'est-ce qu'il va... est-ce qu'on va faire comme en métropole où les tablettes sont données aux élèves à l'entrée ? Donc là, on peut contrôler d'une manière sûre et certaine tout ce qui est à l'intérieur. Ou alors, est-ce qu'on va faire comme on a fait au lycée Paul Gauguin ? Les familles se sont équipées. Pour la plupart, elles ont eu leur propre équipement. Et là, les réseaux sociaux, on ne peut rien y faire. Parce qu'en cours, il est bien évident que certains élèves vont sur les réseaux sociaux. C'était une des questions qui était au centre, justement, des ateliers de ces assises du numérique. Et donc, le réseau social, par lui-même, comme je disais tout à l'heure, c'est incontournable. Alors, l'inquiétude, c'est l'inquiétude de tous parents. Qu'est-ce que vont en faire les enfants ? Merci, Pierre-Léonard. Qu'est-ce que vont en faire les enfants ? Alors... des questions sont déjà tombées, ont été donc déposées sur les réseaux. Certaines sont en français, certaines sont en tahitien. Et je vais donner la parole à Ernest pour faire une synthèse de ce premier tour de parole, ce qui lui paraît le plus important en réo Tahiti. Tau ara prau o ia e te prau no te hono atira natirara mai a Facebook, mai a TikTok anei. E mai te ahiti hia. Uahare u anaroa te prauno te wha huipara ai te i maurawea. I roto hoi e te ui api nā muaro e te mou ta atapaari atoa. Tenei, e hapa i a te mou rawea ta tatou e nien he e rawe. No te i wha huipara, e i ha te mou te i wha huipara e i a hahi. Ia hahi e atu, ia tere, ia hare atu tata tō ui api hoara, ni ai tu mō taua natirara tei ore tano. E traia, tuma tata tō enenhe e whiruri e haa mau atoa, ia tā o ti ahi ai tei mō, tei wha ohi par au tei mō hono atira natirara. Nā tātou pa ia te mō tata paari, te mō metua, te mō urumitu hapi, e rawe te ie tuhu a hoipa. Traia te mea inenhe e tāpe a mai, aita tātou tēnei inenhe e ape te ie mohi a, o ia hai te hono atira natirara. Mai a Facebook anei, mai tau i parua tu, mai a TikTok, e te venei tātou mai te whahitihia, te mou whahui para tano mau, mai te whatianini a te mou te prauno te atu aru, whatianini a te prauno te utua whare, e hat mou uhipa mai te ei, et tano iaravahia. Trai eti temo mar o tatato inen he tape amai. Nous allons passer à la rubrique questions après le jingle. Carl, pour toi la première question. Est-ce que tu te sens à l'aise avec cette question ? Quels sont les dangers associés à l'usage des réseaux comme TikTok aujourd'hui ? Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier là-dessus ? Les dangers associés au réseau TikTok, l'utilisation des réseaux TikTok. TikTok en soi n'est pas plus dangereux ou moins dangereux qu'un autre réseau social. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est la publication des contenus. Clairement, le problème, c'est la publication des contenus et, en parallèle, la consultation de ces contenus par des publics qui ne sont pas autorisés à y avoir accès. Ce qui nous renvoie finalement
un autre sujet qui dépasse finalement TikTok, qui est comment est-ce qu'on va venir encadrer, comment est-ce qu'on vient contrôler tout ça, quel est le droit applicable, ce genre de choses, et quels sont les moyens coercitifs ou pas dont on dispose. Aujourd'hui, alors peut-être que je devance un peu certaines des questions, mais il faut savoir qu'en Polynésie française, tout ce qui relève des contenus ne relève pas des compétences de la Polynésie française. On est dans des compétences régaliennes, les compétences informatique et liberté, etc. Pour autant, il y a quand même des moyens d'action qui sont opérés, qui ne sont pas forcément juridiques, mais qui sont issus finalement de partenariats entre la Polynésie française et les services de l'État, le ministère de l'Intérieur en particulier. On en a parlé tout à l'heure sur le rôle du MCPF, le rôle de l'ex-BPDJ. Voilà. Donc aujourd'hui. Pas plus TikTok, clairement. Pas plus. Moi, j'ai un peu débordé. C'est une question d'un parent dont l'enfant. Utilise très régulièrement TikTok et qui se fait un peu de soucis. Alors, adjudant-chef Lorillon, c'est pour vous, quels sont les droits des personnes lorsqu'elles sont victimes de commentaires malveillants, de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux? Peut-il y avoir des poursuites au niveau judiciaire? Je pense que c'était un peu aussi le contenu de du deuxième tour de parole, mais peut-être en quelques mots. Le droit, c'est le droit de tout à chacun de déposer plainte, tout simplement. On se présente dans une unité de gendarmerie ou à la DSP et on a le droit de déposer plainte. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tout est en ligne. Donc on vient avec ses captures d'écran, etc. Et on va demander aux gendarmes de pouvoir déposer plainte et que la personne soit poursuivie. Après, l'enquête sera faite. On ira chercher les informations à droite, à gauche. On a des spécialistes en gendarmerie comme en police, des spécialistes des réseaux sociaux et d'Internet. Et du coup, tout sera donné à la justice pour qu'elle puisse faire ce qu'il y a à faire là-dessus. Mais il faut vraiment... Alors moi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de plaintes. Il ne faut pas hésiter. Pour moi, c'est aussi de la prévention de déposer plainte, parce que les gens ne vont pas aller forcément en prison parce qu'on a déposé plainte. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça protège les enfants, notamment. On demande également s'il existe une mallette pour les parents, avec des conseils pour les guider dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est probablement une demande qui émerge fortement. En ce qui concerne le permis Internet, si on parle de ce type de mallette, ils peuvent aller sur Internet. Permisinternet.com, je pense. Et ils auront les informations sur... Merci. À condition de... Voilà. Sans s'inscrire, sans rien. C'est un site Internet, tout simplement. Je passe une question, justement, sur le permis Internet en Tahitien à Ernest. Cette question vous est adressée. Existe-t-il un permis Internet pour les parents également? Non, on n'a pas de permis Internet pour les parents. Maintenant, encore une fois, sur le site, ils peuvent aller travailler dessus. C'est vrai que les parents sont des gens d'une autre génération et c'est pas leur... ils connaissent pas, d'une manière générale. Donc, faut pas hésiter à aller sur le site du permis Internet. On peut commander des permis Internet, ça, c'est plus au niveau professionnel. Mais ils peuvent se renseigner là-dessus. Et sur Internet, il y a un certain nombre de sites. Je pense à e-enfance.org qui donne un certain nombre d'informations. Mais non, pour les parents, il n'y a rien qui est fait, malheureusement. Une question qui t'est adressée, Ernest, de la part du député Moete Brotherson, que nous remercions de suivre ce Facebook Live. Donc, il fait référence à la loi de pays du 26 avril 2019 sur l'encadrement depuis l'utilisation du téléphone portable dans les établissements et votée à l'unanimité à l'Assemblée de Polynésie française. Est-ce qu'elle est réellement appliquée?
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le premier degré, il y a une interdiction claire et nette de l'utilisation de téléphone portable et du smartphone. C'est sans ambiguïté. Dans le second degré, une utilisation plus souple, mais je veux dire, un usage qui est fait dans le cadre pédagogique. Mais ça, les professeurs essaient de l'encadrer au mieux, mais on ne peut pas éviter des dérives comme cela a été évoqué. Voilà ce que je peux répondre. Oui, merci Ernest. Alors justement, cette question du smartphone a été aussi au cœur de l'atelier 1 que je co-animais pendant les assises. On se posait la question de ce support pédagogique, puisque Karl nous avait bien montré que c'était lui qui était émergent et qui, si l'on devait s'appuyer sur un médium, c'était peut-être celui-là qu'il fallait privilégier. Donc des discussions se sont engagées. On essayait de voir un petit peu comment on pouvait utiliser le smartphone à des usages pédagogiques, étant entendu, bien sûr, qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. Ernest, peut-être pour toi également, a-t-on prévu des campagnes d'information bilingues destinées aux familles pour leur expliquer ce que sont les réseaux sociaux ? Disons que nous le faisons dans le cadre des établissements, de l'information aux parents en général. Nous essayons de le faire autant que faire se peut en langue française, bien évidemment, mais aussi en langue polynésienne. Mais ceci me semble peut-être à développer encore dans le volet langue polynésienne, bien évidemment. Karl souhaite intervenir sur la question, Karl. Oui, effectivement. En fait, je voudrais intervenir à la fois sur les propos de Moteri Broderson, sur la fameuse loi qui a été abordée. La responsabilité, elle a été, dans le cadre des lycées, donnée au chef d'établissement, me semble-t-il. Effectivement, dans la réalité, la mise en pratique, elle est plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que, notamment, les professeurs se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'utiliser les smartphones des étudiants, justement, pour jouer la carte de l'interactivité. C'est pour ça qu'on n'est pas... On n'est pas sur quelque chose qui est applicable systématiquement, mais qui est laissé notamment dans le champ de compétences du chef d'établissement. Également sur les campagnes sur les réseaux sociaux. Alors pour le coup, c'est nous qui sommes chargés de faire ce genre de choses. Donc on a eu une première campagne à destination des jeunes, donc de notre cible, alors avec un ton humoristique. Alors vous ne l'avez probablement pas vu, c'est normal. C'était fait pour les jeunes, donc ce n'est pas pour nous. Et donc ça a été diffusé via les médias sociaux, avec un ciblage sur certains âges. Et là, on s'apprête justement à faire à peu près quelque chose de similaire, mais cette fois-ci sur un média complètement différent et qui sera à destination des parents. Et ça, c'est une orientation qui a été prise par le ministère de l'Éducation. Merci infiniment pour ces compléments, Karl. Ernest, une question en tahitien peut-être qui pourrait être intéressante. Oui, il y a été totu aitmo metua noterat il ataratomotamar imua iteipeu api. Tato itinei o ia i te urinei te mo te mar i mua i toratou niu niu a whaifei, o ia i te whaahui par a te hono anatirara TikTok a hoara, te i hono anatirara i whaahui pahi anei te ui api. Te i hoa te mea tato itinei, te urinei rato itinei. Tarara, te te iete te tumu prautata to ite nei, te vei ato nei te mofu au hipa a e tano. Tata mo tamar i, te ui api e tano. E tato i whahapa noa, te vei ato mo au hipa ato mo ui api tano e tarato e rave nei. Tata te mea tana to e nehnei pahono. Très bien. Alors, également, une question qui est très intéressante. Réseaux sociaux et éducation, elle a été effleurée tout à l'heure. Y a-t-il un usage pédagogique des réseaux sociaux en classe ? Donc, Ernest, peut-être que tu peux répondre sur la question. Sinon, moi, j'ai aussi des éléments de réponse. C'est-à-dire, à l'usage pédagogique, oui, on l'a vu, je l'ai évoqué dans le premier degré, notamment pour la question de la continuité pédagogique lors du confinement. Cet usage continu à être utilisé de manière cadrée et encadrée, bien sûr, bien évidemment, je parle de groupe Facebook, de communication entre les parents et les enfants, mais là, en classe,
Il s'agit de communication principalement sur le plan pédagogique, hein, je veux dire, de pages Facebook sur lesquelles on communique et qui sont des pages qui sont gérées. Hein. Tout le monde ne peut pas y déposer ce qu'il veut, hein, ce que l'on veut. Alors j'ajouterai également, Ernest, si tu le permets, ce qui est aussi pratiqué, la tweeté sur le réseau Twitter, très encadré. Donc on permet on en a un usage très intéressant parce qu'on se rend compte que des élèves pratiquent l'orthographe, donc les compétences orthographiques, parfois à distance avec des interlocuteurs qui peuvent se trouver. On a donné l'exemple à Dubaï, dans une école française. Et par conséquent, dans cet espace francophone, ils partagent avec ce réseau social des défis, des explications, parce qu'à chaque fois, il faut essayer d'amener une explication qui soit appuyée sur des règles. Et donc là, on a l'exemple type de l'utilisation pédagogique précise et encadrée, sécurisée, recommandée par l'Éducation nationale aussi, d'un réseau social. C'est assez original et c'est pratiqué aussi en Polynésie française, hein, bien sûr. Voilà. Et de manière très active. On va peut-être passer au tour parole numéro 2. Ernest, si tu veux peut-être faire quelque chose en langue tahitienne ou... Le tour de parole, le si thème. Tu veux, voilà. Hein? Et donc Ernest, c'est à toi que je m'adresse justement. Là, on va être peut-être les uns et les autres en train de se diriger vers quelque chose qui serait de l'ordre d'orientation, de recommandation. Ernest, quelles recommandations ferais-tu, notamment aux familles, aux parents, pour ce qui est de l'usage des réseaux sociaux, et notamment en termes de devoirs, en fait, quelque chose qui soit un peu de l'ordre de la morale et de l'éducation à la fois? Bien évidemment, ceci était évoqué et effleuré lors de la première partie de notre table ronde. Hein, il s'agit d'éduquer à l'usage du numérique avant tout, hein, de responsabiliser nos jeunes autour des dangers éventuels des réseaux sociaux. Je pense que les choses sont avant tout là. Hein, au niveau de l'école en elle-même, les choses sont cadrées, les textes existent. Et les enseignants font de leur mieux de ce côté-là. C'est plus de l'ordre de l'éducation maintenant, de la prise de conscience des jeunes qu'il convient d'approfondir et de développer au sein des familles avant tout, mais au sein de la société, au-delà des familles. Je pense au niveau des familles, dans un premier temps, l'école s'en occupe, bien évidemment, mais ceci dépasse le cadre de l'école et de la famille, mais implique la société tout entière, de mon point de vue. Mais il faut aussi donner confiance aux familles, c'est-à-dire qu'ils se sentent parfois un petit peu démunis, impliqués, leur donner des outils. C'est ce que nous essayons de faire, nous, déjà, au sein des établissements, mais peut-être il y a des choses qui restent à développer, à destination du grand public, des parents. Merci beaucoup, voilà. Ernest. Adjudant-chef Cyril Lorillon, en matière de droits et de devoirs, là, si on devait donner quelques petits éléments... bien, auxquels peuvent s'accrocher les familles. On est sur des utilisateurs qui pensent qu'Internet et les réseaux sociaux, c'est un grand espace de liberté, où on fait ce qu'on veut et on met ce qu'on veut, sauf que non, c'est quand même régi par un certain nombre de règles et de lois. Alors moi, il y a trois éléments qui sont importants pour moi, notamment pour les parents, les grands-parents qui ont en charge l'éducation de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. C'est quand même l'âge minimum pour aller sur les réseaux sociaux, pour avoir un compte. L'âge, c'est d'une manière générale, c'est 13 ans. Voilà. 13 ans, si je ne me trompe pas, dites-moi, c'est fin de 5e, début de 4e. Voilà. Sauf que nous, quand on va dans les établissements scolaires, on se retrouve avec des élèves de 6e, de CM2, voire de CM1, et que en gros, pour moi, c'est entre 15 et 30% des élèves qui vont lever la main quand on leur parle des réseaux sociaux, qui ont leur propre compte, soit fait par les parents, soit fait par eux-mêmes. Ça veut dire que ce soit les parents ou eux, ont triché sur l'année de naissance, tout simplement. Alors, c'est pas puni par la loi, c'est de la responsabilité des parents, mais... quand même. Le deuxième point, c'est les contenus. Les contenus, il y a deux choses. Première chose, c'est l'image, le droit à l'image. En fait, on a le droit, nous, de disposer de notre image.
de notre image physique. À partir du moment où on va être pris en photo, où on va être pris en vidéo, les personnes qui vont faire ça n'ont pas le droit, sans avoir l'accord des parents ou de l'adulte, de mettre sur leur réseau social notre image. C'est juste pas possible. S'il y a un dépôt de plainte, il peut éventuellement y avoir des poursuites derrière. Et il y a une deuxième chose en termes de contenu, c'est on en a parlé, hein, de papeter les films des violences qui sont exercées. Bah, le fait de filmer, quand on filme, on est considéré comme un complice. Un complice, c'est quelqu'un qui va aider l'agresseur à faire ses violences. Et donc on va risquer les mêmes punitions. Mais également, quand on va partager sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment une infraction spécifique. On risque quand même, quand on est adulte et qu'on fait ça, on risque une peine de prison jusqu'à 5 ans. On risque jusqu'à 9 millions de francs d'amende. C'est pas rien. Parce qu'on a partagé sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc les contenus, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le troisième et dernier point, c'est tout ce qui est partie commentaire. Voilà. On se comporte sur les réseaux sociaux comme on se comporte dans la vie. Je ne vais pas aller insulter mon voisin. Et voilà, j'entendais Teddy qui parle d'amour, de famille, etc. Je ne vais pas dans la rue aller insulter mon voisin parce qu'il ne me plaît pas. Ben là, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On risque une peine d'amende quand on se comporte comme ça. D'une manière générale, ça participe à ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Voilà, le cyberharcèlement, c'est harceler, fait de la violence répétée, par l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est plus sévèrement puni que le harcèlement, je vais dire, simple, de face à face. Bien sûr, merci de nous le rappeler. Donc ce n'est pas parce que ça passe par une espèce d'image de virtualité qu'il n'y a pas de sanctions possibles, voire de condamnation. Il faut le dire, il faut le rappeler. Merci beaucoup, adjudant-chef Cyril Lorillon. Karl, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les orientations prévisibles du pays sur ces matières ? Comme je disais, les orientations elles sont un peu particulières. Elles ne sont pas d'ordre juridique, bien évidemment, puisqu'il y a déjà un cadre qui est applicable. Moi, je vais revenir peut-être sur les deux points qui sont les droits et les devoirs. Le premier point concerne le droit, et ça va réunir tout ce qu'on a dit, ça va rassembler tout ce qui a été dit ici. C'est que chaque utilisateur, chaque usager des réseaux sociaux est confronté à un certain nombre de contenus illégaux. Il peut et il doit, dans certains cas, se manifester, le signaler. Alors, effectivement, de temps en temps, c'est un peu compliqué parce que, en fonction des sujets, on a un peu de mal à aller se rendre à la DSP ou dans une gendarmerie. La démarche est des fois un peu, elle fait un peu peur, un peu effrayée. Et nous, au sein de la DGEN, eh bien, nous sommes également un réceptacle. Alors, je ne dis pas que ça fait partie de nos missions, mais il nous arrive effectivement d'avoir des contenus qui nous sont signalés, et c'est nous qui faisons cette démarche auprès de nos partenaires du ministère de l'Intérieur. Donc, lorsqu'il y a des sujets comme ça, n'hésitez pas. Il faut signaler, quel que soit l'endroit où vous le faites. Si la démarche est trop compliquée, faites-le auprès de la DGEN. On sera là pour vous accompagner lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement. On a aidé les services de police à, pas à démanteler, mais en tout cas, on a eu une action de signalement sur des comportements pédophiles. Voilà, on a une vraie action, en fait, une véritable action avec nos partenaires de l'État. Le deuxième point, ce sont les devoirs. Le premier devoir, je pense, et ça va rejoindre ce qui a été dit par Teddy, c'est ne pas voir les réseaux sociaux comme étant une barrière entre les enfants et la famille. Au contraire, moi, je pense qu'il faut que les parents s'impliquent un peu plus, apprennent à comprendre comment est-ce qu'on exploite eux-mêmes, à comprendre les dangers, et éventuellement arrête de se faire des films quelque part. Parce qu'il y a aussi de ça. Des fois, on voit le mal un petit peu partout. Donc mieux comprendre l'outil et peut-être au contraire inverser la tendance et de faire des réseaux sociaux, bah, peut-être un outil de communication dans certains cas. Et le troisième point, on attend beaucoup des autres pour être formés. Je crois qu'un élément qui est capital, c'est pas valable exclusivement pour les réseaux sociaux, mais c'est s'auto-former et ne pas attendre que tout vous arrive livré. Il y a suffisamment de contenu sur Internet et vous trouverez toujours des explications. Merci. Voilà. Merci. Un message fort, peut-être, Teddy, avant que nous récapitulions pour en tahitien. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Karl disait, que les parents, bien sûr, il faut qu'ils restent ouverts par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux enfants, et aussi les enfants, à tous les enfants qui nous regardent, les plus jeunes. N'hésitez pas aussi à aller de faire le pas vers vos parents, vos grands-parents, et même leur apprendre
et les informer ce que c'est les réseaux sociaux et c'est un lien de communication. Voilà, dédramatiser. Monsieur Lionard, un mot de la fin. Le parent est le premier éducateur de son enfant. Donc, à partir de là, s'informer pour pouvoir le suivre et l'emmener vers ce qu'il y a de meilleur et non pas vers... Et sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont très bien. Parfois, les réseaux sociaux sont plus... on communique plus facilement avec des gens très loin qu'avec ceux qui sont juste à côté de nous. Et donc, il faudrait inverser la tendance et plus communiquer avec les gens qui sont à côté de nous sans pour autant renier ce qu'il y a à l'extérieur et au loin. Et apprendre, puisque le parent reste le premier éducateur. Pour ce message fort et clair, merci à nos deux derniers intervenants. C'était très... très, très intéressant de le signaler. Ernest, tu vas pouvoir faire une petite synthèse en tahitien. Maruru et Gaëtan. Oui, Yarido ei fifi rato uia ia tau a pro rato te mot mar i e te mau metua ini ai te whao hui par ai te i e mau rave a api yarido te rira ha puei a te hono e te tamur ai e roto pui rato yanin hea to a pā te mau te ui api ia tauturu te mau metua te mar i te mau metua ia te whao hui par a te i mau rave a api. Et tu mets ta tato inen he et tape amai inen he ato te terira te moi a et cho era noti apir a he tato e hi ono hi opano e hi ono ite mo fifi inen he iru amai trara et mea inen he et tumu prau inen he tape ato amai uia it prau no chapir a fa o hi par a fa ohi par ana roto it mara ia tata to wi api ia fifi na roto it te ye moja trai. Merci beaucoup Ernest pour cette synthèse en langue tahitienne. Il me reste à vous remercier. Je vais faire peut-être une petite synthèse de ce qui a été dit et qui était riche et divers. Clairement, il ne faut pas craindre les réseaux sociaux en soi. On voit bien que les messages forts qui ont été portés récemment par nos différents intervenants, ça a été donc être près de ses enfants, dialoguer avec eux, être, comme nous le dit Teddy, en communication avec ses parents, même avec ses grands-parents, avec sa famille, démythifier, dédramatiser ces éléments, comme le dit Karl, s'auto-former, se former également, mais s'auto-former. Beaucoup de choses sont disponibles. On est conscient de ses droits, on est conscient de ses devoirs. Il y a des encadrements, il y a également des sanctions, donc il y a des dérives, chacun le sait. Les réseaux sociaux sont dans notre vie depuis assez peu de temps, finalement, pour la plupart d'entre nous. Et par conséquent, il est très important, puisque le temps passe et que les choses évoluent très vite, de regarder les choses en face. C'est ce que nous ont dit les différents intervenants. Et il peut y avoir des choses extrêmement positives qui se déroule. On voit avec Teddy un magnifique exemple qui est à la fois la réunion de la tradition et puis de la modernité. Il incarne à la fois l'aisance dans le corps et l'aisance dans l'esprit. Il incarne la Polynésie de demain, en quelque sorte. Et donc, je crois qu'il est avec porteur de valeurs très fortes dont il a su nous rendre un témoignage assez sincère. Il est, je crois, l'exemple à suivre. Alors, pour ces deux tables rondes de ce matin, hein, vous pourrez les revisionner sur le site de la DG2E, donc dg2e.adne.pf. Vous pourrez retrouver les questions. N'hésitez pas à réagir à nouveau. Il est très important que tout cela ne soit pas de même que les assises du numérique qui vont se clore dans quelques instants à l'amphithéâtre de la DG2E avec la ministre et le vice-recteur. Il ne faut pas que tout ça soit un point final. C'est un début. On a tiré un fil de communication vers vous, en tout cas ceux qui étaient présents. Essayez de le prolonger, puisque
puisque les vidéos peuvent être revisionnées, profitez de cela, partagez, c'est très important également sur les réseaux sociaux et c'est très important entre nous. N'hésitez pas surtout à aller voir les ressources, notamment tout ce qui était appui des conférences. Je pense notamment à tous les éléments statistiques, au CLEMI, pour l'éducation aux médias, à l'information. C'est très important. La famille tout écran également. Vous avez le guide qui apparaît à l'écran. Donc, ce sont des petits dossiers, des petits vademécum qui sont très bien faits pour les parents, très pédagogiques, très simples et en même temps très efficaces. Eh bien, nous allons prendre congé de vous. Je remercie tous les intervenants autour de cette table. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.